la 10e édition de la commémoration de la mémoire des anciens combattants, tirailleurs africains, des troupes coloniales, indigènes, soldats d'outre-mer, de Madagascar, morts pour la France lors des guerres de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945, s'est tenue ce samedi 24 novembre 2018 au Palais du Luxembourg dans le 6e arrondissement de Paris. Pour couronner cette 10e édition, une cérémonie du ravivage de la flamme du souvenir et du dépôt de gerbes à la mémoire des tirailleurs africains s'est déroulée ce dimanche 25 novembre 2018 de 17h30 à 18h45 sous l'Arc de Triomphe sur la tombe du soldat inconnu aux Champs-Élysées. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo, la Tunisie, le Ghana et le Maroc étaient à l'honneur cette année. Reportage et communication, Diaspo TV. We'll be right back.
ravivage de la flamme sous l'arc de triomphe va bientôt commencer. Ce geste immuable, dont la grandeur tient autant à sa sobriété qu'à sa symbolique, mérite d'être expliqué pour que notre démarche, à la fois individuelle et collective, s'inscrive dans cette longue tradition et qu'elle garde le sens profond voulu dès son origine par ses pères fondateurs. La tombe devant laquelle nous sommes réunis est à la fois le tombeau d'un soldat dont nul ne connaît le nom et le cénotaphe de tous ses compagnons d'armes d'hier et d'aujourd'hui, morts pour la France au champ d'honneur. Elle a été conçue pour nous souvenir du sacrifice immense que l'armée française a consenti durant la Première Guerre mondiale pour défendre la France. Les quelques 1 400 000 soldats tués au combat constituèrent le prix à payer pour défendre chaque arpent de terre de notre pays. Gerbe déposée par Madame le vice-consul du Sénégal. Gerbe des tirailleurs africains. Monsieur, vous bloquez tout le monde. Là. Photographe, vous bloquez tout le monde. Gerbe déposé par le représentant de la Fondation de la mémoire des tirailleurs africains. Déposé par le président de l'association Rassemblement des citoyens du Royaume cambodgien d'outre-mer.
gère, déposé par Monsieur le Vice, consul du Cambodge. Déposé par Monsieur le vice-consul de Chine. Ah, bon.